Un dos de cabillaud à la croûte d'amande à Grone? Oui, effectivement, c'est un dos de cabillaud en croûte d'amande. C'est un plat que j'aime beaucoup et que je vous fais voyager un peu en toute l'Europe avec ce plat-là. Voilà les ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette-là. C'est les dos de cabillaud, le parmesan, les poivrons, les poireaux, les gros sel, les chapelures, des amandes, des olives séchées, tomates, l'ail, gousse d'ail, feuilles de laurier, échalotes, fenouil, les noisettes, le beurre, du lait et du bouillon. Placer le cabillaud dans un gros sel et mettre au frigo pendant 30 minutes. Pourquoi mets-tu ton poisson dans du gros sel? Effectivement, le gros sel c'est très important pour garder les chairs le plus ferme possible. Couper en fines rondelles les poireaux, le fenouil, l'échalote et les cuire dans l'huile d'olive. Ajouter les gousses d'ail écrasées, laurier et le parmesan. Ajouter le bouillon de poule et laisser cuire pendant 30 minutes. Le bouillon de parmesan est sur le feu pour 30 minutes. Que vas-tu faire maintenant à Grone? Effectivement, on va commencer avec faire une petite choucroute de fenouil. C'est un légume par excellence pour les poissons, notamment très bon pour la santé. Couper les fenouils restants, les tomates, l'autre poireau et faire cuire à la poêle. Ajouter une demi-jus de citron et des olives noires séchées. Mettre du beurre, pommade dans une queue de poule et fouetter. Incorporer la chapelure, les noisettes et les amandes. Assaisonner et mélanger pour obtenir une pâte, filmer et mettre en eau froide. Ajouter du lait dans le bouillon, mélanger et porter en ébullition. Après la première ébullition, filmer les casseroles et trouer le film. Faire chauffer à basse température pendant 10 à 15 minutes. Sortir les cabillauds et trincer à l'eau froide, réserver eau froide. Aplatir la pâte au beurre dans du papier sulfurisé et rouler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Couper les cabillauds en tranches avec la peau. À Grone, comment vas-tu croûter ton cabillaud? Alors, il y a plusieurs façons, mais cette façon-ci, c'est la meilleure pour garder la chair le plus frais, de prendre une poêle très très bien chauffée, légèrement huilée, pas trop, et avec cela, une fois qu'il est poêlé, vous allez voir que c'est facile à lever la peau sans abîmer la chair. Enlever la peau, remplacer la peau de poisson par la pâte aux amandes. Mettre au four à 80 degrés pendant 25 à 30 minutes. Retirer les lauriers de bouillon de parmesan et mixer-le. Passer le bouillon au chinois fin. Ajouter le parmesan. Ajouter l'huile d'olive en continuant mixer. Comment vas-tu dresser ton plat à Grone? Ici, on a fait les choucroutes avec les ingrédients. On va le mettre dans un cercle. On prend délicatement le cercle, on pose au milieu et on ne bouge pas tant que le cabillaud il sort de four. Hop, on tire le cercle gentiment. On prend le cabillaud qui est parfaitement cuit. On prend quelques poivrons juste pour donner un peu de couleur. Ça a l'air succulent à Grone. C'est avec grand, grand plaisir. Merci à Grone Bila, chef chez le traiteur Gauss à Grivenier.
Découvrez d'autres recettes sur www.omiam.tv.